Et salut tout le monde, c'est Monsieur Lourd, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Contrôle les amis. On se retrouve là où on s'était laissé lundi dans notre aventure bizarre avec bien sûr Atti, hein, le magnifique janitor, le maintenanceur hein, bien sûr. Et on avait donc l'autorisation d'aller dans ce secteur, mais avant cela, je voulais faire un petit tour à côté. Parce que je pense qu'il y a des trucs qu'on a... Voilà, on a des trucs qu'on n'a pas fouillés, qui pourraient peut-être être intéressants. Alors attendez, c'est quoi ça? Ok, je peux mettre des petits coups comme ça, ok. Moi ce que j'aimerais faire en fait... Ok. Non, c'est pas ça. On peut sauter. Et non. En fait, j'aimerais pouvoir changer de mode d'arme, mais je pense qu'on peut pas là, donc peut-être plus tard. Parce que je vous rappelle qu'on a... On a des contre-mesures, hein, bien sûr, à faire. Qui sont des sortes de défis. Et ces contre-mesures, et eh ben... Non, c'est pas ce que je voulais. Ils demandent de faire un truc avec une arme en mode perforation. Et pour l'instant, on l'a pas, je crois. Alors peut-être que c'est là... Alors faut qu'on aille ici. On fait une quête, de... on fait une quête secondaire, d'ailleurs. Hein. Je sais pas si... Merde, c'est pas ça. On fait une quête secondaire, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent. Et là c'est pour mettre une deuxième arme. Oh, on peut pas la customiser. J'aime pas bonne musique. Allez, c'est parti. C'est pour ça qu'ils peuvent aller au foin. Ok, alors. Là, pour le coup, faut qu'on aille là-bas. Je sais pas si c'est pas mieux de passer par là. Bah, de toute façon, c'est fermé. Ok, redis-moi ce qui se passe si tout ça explose. J'ai ici. Pouvoir. Tony Truant. Responsabilité d'un directeur. Maintenir les lumières allumées. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. C'est... En gros, on doit obligatoirement laisser cette centrale en état de fonctionnement, quoi. Ça. Je me méfie toujours un peu des pièces qui sont un peu trop calmes. Genre là, on est là, donc faudrait qu'on aille sur la gauche. Centrale RSN. Allez parler au chef Harish au poste de sécurité. Ouais. C'est lui qui commande. C'est pas notre priorité. Ah putain non, c'est... on n'est pas au bon étage. En fait, je comprends. Ouais, je comprends. Enfin, c'est un bien grand mot. Mais en fait, la carte où on est, c'est la carte qui est blanche. Et celle où on doit aller, elle est bleue. Donc du coup, ça doit être un étage supérieur ou inférieur. Là déjà on a un shelter, on va aller le visiter vite fait. Il y a souvent des trucs dedans. Voilà. Vestige de lisière, super. Content de l'avoir. Ça c'est fermé. Ça doit être à l'étage au-dessus en fait. Qu'en dessous il n'y a rien. Captain Obvious. Ah, pour le coup je pense qu'on va aussi entamer la quête principale pour le coup. Par là, madame. Ouais, c'est bon. Oh, ça va, ça va. Madame, hé,
chef de sécurité du BFC. Et gueulez vous pas. Vous ne devriez pas être à l'abri. Ça me fait penser à des vieux films bidons. Vous ne devriez pas être à l'abri. Comme dans les nuls La Cité de la Peur. Ça va aller, vous avez besoin de rien. Mais on va pas lui parler. Moi je suis là pour faire la quête secondaire, donc on va monter d'un étage. On va débloquer cette zone. Ah c'est bizarre qu'il reste rouge. Ah, peut-être parce que la centrale est toujours en état d'explosion. Ok. Je trouve le moyen de monter, je pense. Ah, peut-être pas, on peut descendre, mais alors si je descends, est-ce qu'on a passé un... Oui, on est passé de l'autre côté. Par contre, je pense qu'il va y avoir des mobs. Ouais, mais là, je comprends pas en fait. Non, mais non, c'est pas ça en fait. Pourquoi ? Je comprends rien, cette minimap, c'est chaud. NSC Coolant Pumps. Donc là, c'est les pompes de refroidissement. Ça, je pense que c'est pour la quête principale, hein, qui est de sauver la centrale. Là, pour la quête secondaire, je pense qu'il faut qu'on aille à l'étage. Là, il y a des mecs en l'air, donc je pense qu'à un moment donné, on va se taper. Centrale maintenance. Et là, on a fait le tour. Bah salut. Merde, c'est pas ce que je voulais. En fait, c'est tout court. Mais non, mais oh, faut que j'arrête. Je me gourde de boutons, en fait. C'est extrêmement chiant. Oh putain, j'ai eu peur. Madame, si vous voulez nous aider, allez parler au chef Arlechine dans le poste. Ouais, mais je crois qu'on va être obligé parce que j'ai l'impression... Bah ouais, c'est ça, en fait. Il faut qu'on passe par là. Tout simplement. On peut pas faire la quête parce qu'il faut qu'on passe par là. Donc on va aller parler au frère Harry, j'allais dire. Mais non, au mec, là. Peut-être que ça va nous débloquer quelque chose. Salut Jean-Michel. Ils ont tous des ARP. On est dans le même camp. Je m'appelle Jesse Faden. Je suis venu pour activer la commande afin de lever le verrouillage. Ouais, chef Harry, sécurité du BFC, je suis... Attendez, vous êtes la nouvelle directrice? Content de vous voir, madame. Pas de formalité, je vous en prie. Ok, Faden, madame, bon... Comme vous l'avez vu, c'est un vrai merdier dans le coin. On tient nos positions, mais la chose qui a corrompu nos collègues fait qu'ils s'en prennent aux pompes de refroidissement. Et aux convertisseurs aussi. L'arche surchauffe, et en plus mes équipes se font tirer dessus avant de pouvoir faire la moindre réparation. Alors, hein... Le RSN ? Pardon, le jargon du bureau. C'est comme ça qu'on appelle la centrale. Vous savez, ce gros machin en métal. Salvador, c'est le chef de la sécurité. Il m'a ordonné de la protéger en cas d'attaque. Ce qu'il y a dedans, c'est dangereux, hein ? Le docteur Darling se doutait que ce serait une cible. Darling ? Il est ici ? Non. Il est venu il y a quelques jours avant que la situation dégénère. Il était hors de lui et il puait l'alcool. Il râlait comme pas possible sur nos points faibles et sur le fait qu'on n'avait qu'un seul ARP de taille, mais qu'il en avait besoin ailleurs. Mais au moins, il nous a donné ses ARP perso avant de partir. Oh, et je vous ai dit qu'il déchirait ses propres fringues ? Taré, ce type !
Darling savait pour Lewis. Écoutez, je demande qu'à répondre à toutes vos questions. Mais il faut réparer les systèmes électriques et hydrauliques avant que ça nous pète à la gueule. Mes hommes vont ouvrir les portes pour que vous puissiez sortir d'ici. Je vais m'en occuper. Restez ici et tenez le hiss à distance, si possible. Le hiss ? C'est comme ça qu'on l'appelle ? C'est pas mal, hein ? Écoutez, le radio ne marche pas. Donc, si vous trouvez mon chef là-bas, Salvador, ça vous dérange de lui demander s'il a un plan ? Je suis sûr qu'il aura pensé à quelque chose, mais... Je verrai si je peux le trouver. Il fait vraiment confiance à son supérieur. Et essayez de survivre. Ok, pas de soucis. Du coup, est-ce que la porte là-bas... Ah non, elle est toujours rouge. Bah, vous savez quoi ? On va repartir sur la quête principale, en fait. Tout simplement. Et on fera les quêtes secondaires après, plus tard. Merde, c'est pas ce que je voulais, pardon. Donc là, pour le coup, on en a deux. Mais pourtant, ils me disent bien de passer ici, quoi. C'est ça qui est chelou. Déjà, pour l'instant, elle ne s'ouvre toujours pas. Donc, on va trouver un autre accès. J'arrive à passer au haut, en fait. Ah voilà, et là maintenant il y a des mobs en fait. Ok. Ah bah tiens. Ok, donc c'est pas Tomasi ça par contre. Vu comment il était bidon. Allez, vise bien s'il te plaît. Ta gueule. Je ramasse plus les trucs au sol, c'est bizarre. Oh là là, mais je suis pas du tout à l'endroit où je vais. C'est ouf, c'est ouf. Je suis en train de me perdre avec cette map, mais c'est un truc de malade. Oh, c'est une grande toilette là. Parce que il y a des mecs. On peut pas les casser ça, ok. Ok, c'est qu'on peut pas y aller là. Ok.
absolument pas où je vais, c'est... c'est... Là, franchement, pour perdre, il n'y a pas mieux sur ce jeu, quoi. C'est... Je comprends rien à la minimap, et on peut aller sur des endroits... je sais même pas s'il faut y aller encore maintenant, quoi. C'est... Après, c'est cool, parce que justement, il n'y en a pas trop d'indications. Ça fait monde ouvert, mais du coup, avec plusieurs possibilités, et... Tant qu'on n'a pas la bonne, on galère. Donc c'est pas plus mal, pour le coup. Mais c'est compliqué, des fois. Ok. On va vers où, là, si je vais par là? Ah, possiblement pas mal. Est-ce qu'on peut avancer? J'en ai pas l'impression. Ouais, peut-être plus tard. Ça, c'est le niveau 4. On va passer par là, du coup. Et ça ne s'ouvre pas, donc on n'est pas au bon endroit. Voilà, comme ça, on le sait. En vrai... En vrai, il faudrait qu'on aille là, mais je pense qu'il est pas content. Ok, donc c'est pas encore ici. Ici, on a quoi? L'énergie convertisseur. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être orange. Voilà. Oh, oh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ah putain, il y a des trucs qui explosent. Ah putain, faut que je me plante plus, j'ai pas de vie, j'ai pas de vie. Ah puis là, on est... Mal mis, parce qu'en plus il y a les barreaux, donc ils peuvent me tirer à travers, mais moi pour envoyer mon pouvoir télékinésique, c'est chaud, faut que j'envoie par la porte du coup. Ah par contre on va reprendre loin. Ah ouais, on va reprendre loin, non? Je sais pas où ça sauvegarde. Parce qu'à chaque fois qu'on est mort comme ça, on est repris sur un point de contrôle. Le point de contrôle qu'on a pris, il est avant, là, enfin là où on a parlé au gars, là, au chef, là. Au chef de la sécurité. Enfin, le chef Harris, là. Ah, les chargements sont quand même un peu longs. Les chargements sont quand même un tout petit peu longs, mais bon. C'est vrai qu'en jeu, on n'en a pas. Ça, c'est plutôt agréable. C'est Batman, je crois, les Batman de Rocksteady qui avaient fait cette prouesse technologique avec un jeu où il n'y avait aucun chargement en jeu, il y avait juste le chargement de la mort, quoi. Donc ça, je trouvais ça plutôt plutôt pas mal fait. Alors du coup, est-ce qu'on va... Normalement, on se les retape pas, hein. Parce que même si on revient, c'est nickel. Tout ce qui a été tué déjà est déjà tué, en fait. Donc ça, c'est cool. Ok, là on avance, voilà. Ah
Ah, mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? J'arrive pas à viser! Ah, on va pas se faire emmerder par ce passage! Bon, ok, je suis pas bien, mais quand même! Ah, putain! Faut qu'on arrive à. Faut qu'on regarde les modes là parce que là ça va pas du tout. Il faut de la truc, faut que je récupère la santé. On va voir un truc. Ce que j'ai mis plus de santé, mais je pense qu'on va prendre la régène santé quand on récupère des trucs au sol, je crois. Je crois qu'on en a un comme ça. Je pense que ce sera peut-être mieux parce que pour le coup, à chaque fois qu'on va récupérer des trucs au sol, ça va nous récupérer de la santé. Et du coup, peut-être qu'en combat ça fonctionne du coup. Plutôt que le pool. Alors certes, le pool santé est sympa parce que du coup on a plus de santé, donc possiblement on peut encaisser plus de balles. Mais si on peut se régène, si la régène est plus intéressante que le pool santé, c'est peut-être mieux au départ. Je sais pas. Faudrait tester. Faudrait tester. Donc c'est bien ça, hein, le point de contrôle à chaque fois, c'est ce qu'on vient de libérer. Donc à chaque fois, on reprend sur les points de contrôle. Donc d'où l'importance de libérer plein de points de contrôle comme ça. Pour être tranquille. Le pire, c'est que je sais même pas si c'est ici en fait, hein. Je sais même pas si c'est ici en fait. Ah putain, mais sérieux. C'est bon là? Ok, ils sont calmés. Ou pas? Le cobalt. Si. Replacer ses balles. Ok, donc là en plus on a un nouveau point de contrôle, donc on prendra ici. Je viens de me défoncer tout seul. Bravo, clap, clap. Clap, clap. Ah, d'accord. Ah. Ok. Ok, Google. C'est grillé. Tu dois réparer avant que le vieux pantalon grange dedans la plante de Fasca. Je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il fallait que je les mette toutes. Allez. Je pensais qu'il fallait que je les mette toutes. Genre là, voilà. Là, j'aimerais bien que ça régène ma santé. Mais ça le fait pas. Et là, du coup, on est dans la merde. Ah, mais aussi, on en récupère.
en récupérant les trucs au sol. Un petit peu. Bah oui, c'était obligé. La salle est beaucoup trop grande. Pour avoir... Pardon ? Il a un lance-roquette, le mec, ou quoi ? Ah, je vous le dis tout de suite, on est dans la merde. T'es où ? Attends, on est d'accord, il y avait un mec ? Ah, il est là. Charge. On va récupérer de la vie. Ok. Ça a l'air d'être good. Pulsion rituelle. C'est plusieurs fois qu'on le récupère, le pulsion rituelle. On a des trucs là. Ok, toi dégage. Toi dégage. Putain, il y en a un juste ici. Toi dégage. Ah, voilà, faut que j'en mette un ici. Ok, ça m'a ouvert une porte ici. Il y a encore le gars avec son gros bouclier qui veut me faire chier, je le vois pas. Il arrive. Ok, ça c'est good. Ok, donc là, si j'ai bien compris, on a rétabli le courant ici. C'est good. Excusez-moi, j'ai tenté de me gratter l'oreille. Est-ce qu'on peut descendre? Non, je n'en ai pas l'impression. Donc, potentiellement, on a un truc à faire avant de venir ici.
truc à faire avant de venir ici. Shelter, on l'avait fait ? Je me souviens plus. Yep, la boîte est ouverte. Yep. Alors j'aimerais bien qu'on arrête la vidéo ici, mais pour le coup, il nous faudrait un point de contrôle. Ok, ça sert à rien ici. Un point de contrôle pour sauvegarder. Genre ici, voilà. Et là, on peut construire. Bim. Voilà. Cool. Et pour le coup, avant de s'arrêter, on a la brisure maintenant. Et on a une contre-mesure, à mon avis. Tuer les ennemis avec l'arme de service en mode rotation. Tuer les ennemis avec l'arme de service en mode perforation. Et pour le coup... contre-mesure du comité, on avait... voilà. Tuer les ennemis avec l'arme de service en mode brisure. En gros, c'est ça, mode rotation, perforation, c'est des modes d'armes qu'on n'a pas encore. On n'a pas encore le plan pour la crafter. Et du coup, là, on peut faire la brisure. Donc, on doit tuer 5 mecs avec brisure. Et du coup, comment on change d'arme? Ok, là il est en mode brisure. Là il est en mode brisure. Ok. Ok, là il est en mode brisure. Très bien les amis, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc petite sauvegarde. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve lundi prochain pour la suite de l'aventure bizarre sur Control. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode, à la prochaine, salut, bye bye!